Yon l'autre fois, go, bonjour, bonsoir tout le monde. Merci pour fidélité nous avec l'équipe Mombad Media nan la, depuis Mombad de Police. C'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager, intéressé ou pas oublier abonner avec Mombad Media nan. Et puis ouvrir chaîne notification. Ça permet de faire partie équipe notification Mombad Media nan la. Bien, nous va pas perdre de temps. N'a pas commencé. Cool, yeah. Commissaire gouvernement bon côté tribunal première instance Port-au-Prince-Lan, maître Bedford Claude, interdit moun acheter ou sinon vendre gaz nan galon nan zone métropolitaine Port-au-Prince-Lan. Décision ça prend nan l'idée pour protéger la vie ak bien moun an dan pays a. D'après yon note, chef paquet a mette dehors jeudi 12 août 2021. Maître Claude mande autorité la police yo prend disposition pour faire respecter Mezisa et puis arrêter tout monde qui viole l'. Décision ça gen pour surtout ak décret 25 novembre 2021 qui interdit moun vendre produits pétroliers sous voie publique yo. L'autre information dans téléjournal ça nous te dit dans grand site tout programme national cantine scolaire réalisé deuxième colloque li jeudi 12 août 2021 sous cantine scolaire en dans pays a. Discussion yo dans cadre deuxième table sectorielle PNCS lan organisé sous objectif plachoyo dans l'école pour faciliter distribution yo et puis permettre plus l'école bénéficier programme si la responsable dans PNCS déjà signé un protocole d'accord à quelques partenaires. N'a invité nous suivre un reportage avec Rodney d'Orléans et puis Maxo Joseph. Table sectorielle ça qui réunit partenaires qui ont habitude bay plachou dans l'école yo fait dans l'idée pour plus bien organiser cantine scolaire dans pays ya. Ça qui pourra permettre plus l'école bénéficier programme ça. Nous même au niveau PNCS, nous avons une mission pour nous faire régulation, ça veut dire et garder tout le monde qui a intervenu dans la cantine scolaire, régulariser le travail là, et puis nous faire opération. Tout donc c'est un objectif, c'est éviter la duplication. Et dans la discussion aujourd'hui là, et nous gagner des exemples flagrants de duplication par rapport avec l'organisation qui a intervenu dans la question cantine. Donc duplication, nous non seulement jouons des plaintes et sur le terrain, et aussi l'organisation autour reconnaît que gagner duplication, qui pas dépend de yo, parce que c'est nous-mêmes l'État qui supposé prendre responsabilité. Nous. Et c'est ça que nous avons fait là pour nous régulariser la question, parce que notre travail que nous avons fait, activité aujourd'hui, qui c'est table sectorielle, c'est une activité qui a aidé nous combattre duplication. Parce que nous faisons tout acteur, même yo confronté ainsi que l'État haïtien, pour permettre que nous sommes capables d'éviter la question de duplication. Il y a aussi une autre activité qu'on fait au niveau de PNCS, c'est le croisement des listes. Donc on est en train de travailler sur un programme pour croiser les listes des écoles, pour que pas gagner, on l'école qui a recevoir plusieurs sources d'approvisionnement en denrées. Par contre, il y a l'autre école, il y a plusieurs autres écoles qui ne jouent pas manger. Pour l'année scolaire 2021-2022, le programme national cantine scolaire PNCS dressé un bilan. Dans l'occasion d'entrer l'école là pour le mois septembre 2021, Cap Vinila, responsable PNCS visé lancer cantine dans 10 départements géographiques PIA. Tout est déjà prêt pour lancer ce projet avec FNE. Tout est dans Rio déjà là. Et nous avons dit FNE qui c'est Fonds National d'Éducation. Merci déjà parce qu'il était arrivé et honoré partenariat avec nous pour capable réaliser ce projet. Ça, mais c'est exclusivement au niveau du département du Nord-Ouest. À part ça, pour le pays, d'une manière générale, le lancement de la cantine scolaire pour cette année, l'est déjà est préparé. C'est ça qui gagne un dossier élection. Le Conseil électoral provisoire voyait nouveau calendrier électoral là par le Premier ministre paysan Ariel Henry. Le calendrier ici là, Conseil l'a choisi 7 novembre pour organiser premier tour élection présidentielle, législatif, avec référendum en dans pays. Conseil électoral l'a dit, les voyez calendrier en bas premier ministre pour capable convoquer peuple pour aller non élection. N'a parlé insécurité qu'on y a avec ancien sénateur Yuri Latortue qui mandait autorité la police
pour résoudre le problème d'insécurité qui durait trop longtemps dans le pays. L'opération doit mener dans la zone bandio pour éviter ces populations qui sont victimes dans l'opération la police. Ancien sénateur département la Tibonite, là, quoi problème insécurité a dû résoudre pour permettre population à râler en souffle. On suivit un extrait. Il y a 4 départements, NIP, Gradas, NIP, Gradas Sud et Sud-Est, et on partit dans l'Ouest à partir de Carrefour. Il y a plus de monde qui vivent là-dedans, eh bien, qui n'a pas vivre. Parce que puis faut business dans une zone bloquée, il n'y a pas qu'à vivre dans Port-au-Prince, puis il faut que les gens pas aller travailler. Nous-mêmes nous disons, dernièrement, nous avons fait recommandation sur la question ça. Mais encore une fois, nous avons invité la police à comprendre ce qui s'est passé pour que l'opération qui a fait soit bien menée. Et également, chef gouvernement, Ariel Henry, que l'autre jour, nous t'ai rencontré et qui t'a dit non lundi tout va résoudre Matissa. Okay. Et moi t'ai dit, moi t'ai dit oui parce que tout va pas qu'à résoudre comme ça. C'est un bagage qui m'a dit temps, il m'a dit préparation. Premier bagage que m'a dit, problème là c'est pas route là. C'est pas sur route là. Problème là, il y a 3 différents gangs qui bataillent pour gagner occupation territoire ça qui c'est route là. Et je dis à la police de préparer. Le gouvernement doit faire équipement à la police. Il doit faire corps d'intelligence. La police doit faire un redéploiement, parce qu'il y a plein de monde qui est habitué dans cette zone. Il doit faire un redéploiement avec d'autres policiers pour faire opération dans le lieu côté que gang yo. C'est pas sur route là. Souvent sur route là, il a retourné la caillou et après il a venu encore. Même si l'autre jour, nous, la police voyait 3 temps. Trois blindés, et puis ça qui passe, plus monde tombé, et monde pas passé. Donc il faut faire opération dans le lieu côté que bandit sorti pour que vous mettez en fin à la question. Nous croyons que je dis à la population, il mérite ça, la population pas qu'à vivre dans ça, nous pas qu'à oublier ça qui a passé là, et toute bataille ça qui fait pour nous arriver jeudi, moi pense il faut que. Deux revendications, c'est au minimum, libération prisonnier politique et sécurité, population joigne. C'est deux minimums avant nous entrer dans l'autre bagaille. Nous allons poursuivre ensemble avec ancien secrétaire d'État sécurité publique, là, Himmler Rebu, qui m'a dit acteurs politiques, chita parler pour jouer une solution dans la crise pays. Ancien colonel l'en fait qu'on est. Zak assassinat qui fait sous ancien président Jovenel Moïse là doit être considéré comme leçon pour aider repenser pays. D'après Himmler Rebu, haïtien doit apprendre passer responsabilité by moun qui connaît et puis qui qualifié dans domaine yo. On suivit un bout. Leçon à tirer fait bagaille avec moun qui connaît qui j'en pour fait, j'en fait pour le fait. Point. Pas de aucun bagaille, pas d'aucun extraterrestre qui cap sauté à l'étranger, rentre en Haïti, vient faire une descente virée d'Oli. Par exemple, j'ai assisté au Venezuela à plus de 3 tentatives de coup d'État contre le président Hugo Chavez, avec l'attaché militaire américain Amira Flores, donc au Palais National Venezuela, coup d'État raté. Pour qui ça? Parce que rien des normes techniques n'ont pas respecté, rien des normes sociales n'ont pas respecté, ça ne fait pas passer. Donc, pas aucun pays qui a rentré fait ça, et puis on connaît pour ne pas faire le tout. Ou pas, les Américains rentrent dans le dossier ça, plus ils avaient essayé d'avancer dans l'agenda, ils ont fait la difficile, qu'on a eu nous, c'est haïtien pour entendre. Comment Haïti demain en 30 secondes, qu'on finit? Haïti demain, il est capable de continuer dans des autres que lui, tout comme tout le capable de faire un revirement. Parce que nous croyons que tout mal que nous vivons, c'est blanc qui fait nous. Blanc pas qu'à faire nous sans nous pas aider faire nous. Blanc connaît, nous connaît. Bon côté nous veut faire nous chita à parler. Et moi-même, je crois que pas aucune raison pour nous toute misère morale, ça, nous, toute saleté, ça, pour nous faire un pile citoyen, comprendre ceci, nous avons des âmes pour nous capturer un monde, nous sommes capables de vivre.
Pas aucune société le fait comme ça. Les bandits existent partout à travers le monde, mais il y a l'État qui est toujours face à ces déviés pour prendre, pour amener au côté, pour retourner des citoyens normaux. Évitons la pensée de la guerre, pensons à une société normale, ferme, régulée, mais tranquille, sans violence verbale, sans violence physique qui n'est pas nécessaire. Et puis, joindre deux mondes, bien. Deux mondes qui sont tranquilles, qui sont apaisés, et qui pas vont passer dans la violence verbale, dans le fait zakal, voler l'argent, l'État gagne. Nous ne sommes pas renouvelés, oui. Mais c'est eux-mêmes nos besoins pour nous traverser par cela. Mais il faut aussi une très forte et intelligente mobilisation de l'élite intellectuelle haïtienne, mais surtout des jeunes, parce que ces jeunes qui vivent toute misère là, et c'est eux que vous voulez, que vous ne voulez pas, qui pour gérer l'avenir là, avec tout mal que nous avons là. C'est acteurs haïtiens qui doivent mettre tête ensemble pour résoudre la crise pays à faire face, d'après philosophe Ralph Jean-Baptiste. Professionnel lent à bail opinion sous situation pays d'Haïti plongé depuis quelques temps. D'après Ligue, un problème qui mal posé. L'étape participé dans l'émission mise au point sous TNH, on suit en bout. Nous avons une situation qui a créé une proposition radicale. Mais les forces traditionnelles, les nouveaux acteurs, la société civile, bien pensante et assez agissante dans le moment, qui était qu'à plus déterminant si pas de combattre les blancs, qui était qu'à imposer Ariel, ils n'ont pas qu'à décider que pour une fois, je parle notamment de acteurs de société civile qui semblaient assez sincères pour quelqu'un d'un, ils n'ont pas qu'à décider que nous ne pas faire ça, nous habituons à faire. Nous ne pas faire ça, nous te fait en 46 là, nous ne pas faire ça, plus ou moins, malheureusement pour nous, qui allait paraître en 86, qui fait CNGA, autant établi. Nous ne pouvons pas faire ça, nous avons fait notamment en 2004. Je n'ai un groupe de monde qui vous signe, et puis le pays n'a toujours pas bon. Ça qu'a fait là, Sergino, dans 10 ans encore, s'il fait, on fait une émission avec nous, l'autre monde qui a à peu près le même profil critique avec nous, l'a dit, il n'est pas bon. Parce que le pas bon. Cette histoire de Mounsi Yoshita, il a pédé, parlé dans nos peuple là. Pendant que vous n'avez pas de rapport à peuple, pendant que vous n'avez pas rien à régler pour le peuple, pendant que plus ou moins qu'on est, après toute considération, critique, tout le monde a fait sur sa peuple là, sa peuple haïtien, pendant que vous après tout, qui situation vous avez les peuples dans le pays, cette histoire de vous continuez à faire bagarre ça, mon cher, honnêtement, c'est pour passer malheureux dans le pays qui constitue un groupe qui est plus nombreux dans le pays dans tête. Mais nous avons dit que son bagage radical qui vous a fait ça. Son bagage radical. Continue mal. Elle parle à mon yo. Dit, ok, nous voulons changer la situation. Nous sommes interpellés. Nous pensons à vous. Nous trouvons que vous ne pouvez pas continuer à vivre comme ça. Nous même tous nous ne pouvons pas vivre comme ça. Le pays n'est pas bon. Nous intéressons à Haïti. Nous voulons Haïti changer. Pour nous tous, pour nous minimum bien-être. Écoutez, on nous chita ensemble. Jean-Abel, on nous chita ensemble et Gonaïve. En chita ensemble bassin bleu. En chita ensemble, nous nous Sergino Lendo, l'a passé sur national yo, qui gen ti moun nan bra yo, qui a bay tete ou pas, ou qui a manjou maï ou pas, qui c'est haïtien tout malheureux. On essaie de garder par exemple, comment on ka parler avec yo. Comment on dans Haïti, comment on dans situation nou yé. Qui ça dans rien changer. Comment on dans par exemple que ta gon l'autre Haïti là dans contexte ça qui ça ne passe ta gon non accord même si on t'apprend nous remettre nous organiser nous en structure pour nous capable faire revendication ça au passé qui j'aime ta aimer causer gang dans ville provinciale il t'a résoudre pour nous par exemple là on pense que nous ca plus ou moins retrouver nos dynamique comme ça international là pas déterminant quel que soit contexte ça c'est acteur haïtien pas ca même en temps soit peu haïtien dans contexte ça vous dit. Bon fond mondialisation maîtrisée, tant que Manega dit avec eux. Bon bayo ça, mais bon fait sentir que. Permet d'Haïti font respirer tout, non, monsieur. Nous plus fort, monsieur, dame. Nous plus fort, nous avons toujours tout fait, non. Mais permet pays à font respirer, non. Permet nous prendre une décision pour proposer des politiques économiques pour Haïti qui a fait, à la limite, nous plus ou moins qu'à faire un monde. Permet ça, permet nous ça, en négocier ça. Donc, pour classe politique là, t'as mis des acteurs vraiment haïtiens qui ont dit ça. Malheureusement, il n'y a pas une velléité, elle n'est pas facile tout.
Est-ce que parce que l'acteur n'a pas une dimension tout? Acteur c'est une fonctionnalité, oui. Il faut émerger, il faut avoir un comme un sénateur, un député, un bouquet dit ça, et Serge Nolendo. Il faut avoir un offshore, il faut avoir un gros cas Canada, il faut avoir un gros cas Miami. Mais ça me demande quelle dimension? Je ne suis pas haïtien dans le sens de ce soi-disant projet de radicalité dont je viens de parler. Ça n'a pas intéressé. Dans ce qui est un clan mort, ancien président Jovenel Moïse, gain base Jovenel Moïse, BJM, qui continuait à demander justice pour ancien président républicain, défunt président Jovenel Moïse, qui mourit assassiné dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Coordonnateur BGM Lan, Leslie Charles Mozart, mandé tout militant PHTKO, mettez-vous ensemble pour forcer responsables faire lumière sous acte assassinat chef l'État. Yon bout dans déclaration dans micro Louinel Jean-Louis avec Michel Joseph. Nous sortons dans le silence nous pour nous dire avec le commissaire gouvernement et ministre de justice là, mettez la directeur général de la police là pour ne pas prendre la provocation. Et pas prendre intimidation sous enquête qu'a mené pour former président Jovenel Moïse jouer une bonne justice. Et pendant qu'on a parlé de justice là, nous demandons tous, militants alliés, PHTKO, sympathisants et partisans, pour nous mettre ensemble, pour nous faire un bloc, mobilisation lancée dans quatre coins pays. BGM lancé l'étape dormi, nous prenons le pile de béton. C'est un rapport de CPJ, c'est un rapport, monsieur, pour nous connaître qui ça a fait. Et ça fait nous-mêmes, nous mettons nous à tête mobilisés, dans ce pas de là, pour nous porter bourré, pour nous donner un bon rapport, bon justice. Nous avons de justice pour tout le monde qui est victime, ni dans les matrandes, ni dans le soleil, ni dans tout côté. Et nous, président Jovenel Moïse, tous sont différents avec un monde qui mourit, même les nous de justice pour nous. Il faut nous pas oublier de la presse. Jovenel Moïse est un homme qui est un parti politique. Jovenel Moïse est un homme qui est une structure qui est un groupe qui est dégoûté avec lui, qui est dans le pouvoir. Et bien c'est groupe qui a de justice pour lui, je dis. Et puis, il y a une plateforme nationale secteur populaire haïtien qui déposait une requête dans la direction générale ISPAN, mercredi 11 août là. Il y a une façon pour faire caille côté président Jovenel Moïse de assassiné en vine, il y a un patrimoine président Planspa qui était gagné un clip lisière membre Patia, souhaitait responsable ISPAN yo comprendre des marches si là. On suivit un extrait. Nous venons déposer une requête dans la direction générale ISPAN, Institut de sauvegarde du patrimoine national. Nous déposons une requête pour l'État haïtien, justement pour être capable de prendre tout pour l'autorité qui établit. Autorité qui constituait dans l'État, autorité qui concernait pas des massas, pour prendre toute disposition, pour patrimonialiser le lieu de l'assassinat crapuleux du chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, nous-mêmes dans le parti PLANSPA, qui se signale l'autre l'État, yon parti. Côté que nous engageons nous pour politique faite, on a déjà dans le pays, nous prenons responsabilité nous pour nous venir déposer requête ça. C'est justement côté qui a été assassiné, torturé, massacré Jovenel Moïse pour conviction, pour rêve, pour papa haïtien, c'est pour génération qui a venu. Connaît histoire ça. Nous voulons pour résidence officielle côté le te assassiné Jovenel Moïse là pour le transformer en un lieu de mémoire. Tout objet que te qu'on utiliser, bot jaune qui te qu'on na pied là, abacol te qu'on mettait, chemise li te qu'on mettait, elle a parcouru tout le pays là pour te et pas défendre cause peuple là, plume que te consigne si yo, nous mandé pour faire de objets ça yo, pour bailler de
de tout objet ça yo, yon valeur muséale. C'est justement pour génération qui a vini yo, ça qui est passé de Jean-Jacques Dessalines, pour ça pas passé de Jovenel Moïse. Et puis dans page santé 1, programme vaccination à poursuivre dans tous 10 départements géographiques PIA contre maladie coronavirus. Il y a plus passé 10 000 personnes qui prennent vaccin Moderna et puis 300 personnes qui prennent vaccin Johnson & Johnson. Marie-Dieudonne Heurteloup pour plus de détails. Sorti dans site vaccination Port-au-Prince, rivi dans Ville-Province. Environ 50 à 80 moun pasit recevoir dose anti-COVID-19 là chaque jour. Quelques citoyens qui prennent premier dose Moderna après raconter comment ils vivent l'expérience ça. Pas de problème, je fais ça, je fais ça longtemps. Et je suis satisfait du fait que je vais prendre le vaccin ça pour la première fois. Dans un premier temps, je prends la température. Et après, je remplis une carte avec nom, température, l'homme arrivé. Une deuxième phase, je vais me en forme à remplir. Et que je lis, et dans la forme, il y a des questions et pertinentes qui l'a donné. Si je ne prends pas le vaccin déjà, si je ne prends pas de comorbidité, comme on dit, tout le monde dit, c'est-à-dire maladie fragile, hypertension et autres, et je remplis, bien rempli. Après une deuxième phase, je remets tout le document, ça, après ça, je dis me tonne, et après les mains. Je suis proche pour le vaccin déjà, Moderna, et que sans problème, donc par rapport à ça qui devient mettre ma confiance. Pour nous éviter la propagation épidémie. Vaccination, c'est une bonne mesure de prévention contre COVID-19 là, d'après le directeur général du ministère de la Santé publique et la population, Laurie Adrien. L'autre vaccin est plus protégé contre la forme grave maladie hein, et avec le temps, il vient contribuer tout à diminuer la propagation maladie dans la population. Hein, parce qu'il vient provoquer, ça nous relève dans le langage scientifique, là, une sorte d'immunité collective, c'est-à-dire plus de monde qui gagne immunité, hein, c'est moins de monde qui pral attraper maladie dans la population. Docteur Louré parle sous effet vaccin Moderna pendant le précisé critère que monde doit respecter pour prendre vaccin. Gagne ça les vaccinations ciblées et c'est ça nous avons commencé à faire dans le début côté nous dit gagne des groupes cibles, c'est-à-dire monde qui travaille dans le domaine de la santé ou bien domaine social qui exposé monde qui gagne certain âge et moun ki gen certaines maladies déjà. Mais l'en sorti dans vaccination groupe cible, on pral au fur et à mesure rentrer dans vaccination population générale. N'a privé dans vaccination communautaire, vaccination collective là, n'a considéré moun tout l'âge plus vite que en série de pays par exemple. Vaccin que nous gagnons qui disponible, qui c'est vaccin Moderna, m'a répété l'accord, sont vaccins que moun capable prendre à partir de l'âge de 18 ans jusqu'à X. Dans tout vaccin, gagner ça aurait les effets secondaires prévisibles. Ça veut dire que l'offre prend, il connaît gain des bagages qu'on va gagner quand même. Dans vaccin Covid là, qui pas différent de un pile l'autre vaccin par rapport à effets secondaires qu'il va le bailler, on va gagner tout. Quant aux gros effets secondaires que tout le monde peut grâce à Dieu et à toute précaution que nous te prenons depuis que nous te fait vaccin rentrer, depuis que nous avons établi plan de vaccination, nous pouvons répertorier, depuis que nous commençons à vacciner, aucun accident sérieux qui lié à la vaccination. 500 000, c'est quantité vaccin Moderna reparti en deux doses qui rentrait dans le pays d'Haïti 14 juillet 2021. 115 113 monde vaccinés à vaccin Moderna sorti 16 juillet pour arriver 9 août 2021. 341, c'est quantité monde qui finit vacciné à cause du prend vaccin Johnson & Johnson qui c'est une seule dose. Toujours dans ça qui gagne ouais à question vaccination. MSPP mettait en place cellule vaccination mobile pour bail vaccin non entreprise. Institution Sayo doit gain pour pipiti 40 volontaires qui d'accord pour prendre vaccin contre maladie COVID-19 là. Ministère Santé publique et population dit yon entreprise ou sinon institution qui t'a remé vacciné personnel li capable rentrer en contact avec elle. Yon extrait dans micro Marie-Dieudonne Heurteloup ak unité mobile TNH là. Ça n'est les vaccinations mobiles là, c'est que je dis là
si vous avez une entreprise, une institution, une organisation, n'importe que c'est l'État ou bien privé, qui gagne plus de 40, en tout cas entre 40 et 50 moun minimum, qui volontaire et qui décide de prendre un vaccin, hein? Eh bien, l'équipe ministère là prend contact avec vous, nous établit un calendrier et choisit un l'heure qui est bon pour vous et un jour qui est bon pour vous, pour l'équipe là les déplacer, les venir vacciner moun yo sur place. Ça permet que non seulement sur lieu de travail moun yo, où je viens tous réunis et vous faites vaccin en non temps bien déterminé, moun yo pas obligé de quitter le travail pour sortir à le chercher un côté gain vaccin pour y retourner, etc. Donc, c'est un projet que nous avons gagné à l'essai. Nous essayons là qu'on y a pendant une semaine et demie. Et je suis capable de dire nous, il y a de très bons résultats. Et sans pas les citer toutes les institutions que nous visitons déjà. Je suis capable de dire, par exemple, que nous faisons vaccination mobile dans la Banque centrale. Nous faisons dans certains ministères. Nous faisons dans certaines directions déconcentrées sous le ministère de la Santé publique. Parce que le ministère de la Santé publique, il y a une équipe de direction qui est dans le local ministère là, dans Maïgaté. Mais il y a tout, deux ou trois autres directions qui sont même situées de l'autre côté. Tout le monde qui connaît un problème sans, par exemple, il connaît que direction qui est occupée à faire sans dans le ministère là, c'est toujours situé dans le local Digicel là. Ça aurait le programme national de transfusion sanguine. C'est en direction ministère là, mais qui est localisé de l'autre côté. Nous organisons tout vaccination mobile pour Digicel. Et dans la semaine, dans la reste semaine, nous avons des entreprises qui ont un pack industriel là, dans Sonapi, que nous avons pour nous faire vaccination pour eux. Nous avons tout un calendrier d'institutions qui déjà demandé nous, voilà, mais qui quantité de monde nous avons, qui remplit un formulaire de consentement qui est prêt à prendre un vaccin, hein, et nous-mêmes, nous voyons mobile là pour eux. L'autre information n'a pas été pour nous dans le journal ça. Il y a l'Association nationale greffier haïtien yo qui a annoncé avec la peine nouvelle la mort greffier Ernst Lafortune qui arrivait mercredi 11 août 2021 après une discussion. Association a dit litigain avec juge Mathieu Chonlat concernant dossier assassinat des fins président Jovenel Moïse là. Greffier Ernst Lafortune tape travail dans le tribunal première instance Port-au-Prince-là, précisément dans le bureau juge Mathieu Chonlat, juge qui a mené enquête sous assassinat président Jovenel Moïse. Là. Anna a présenté sympathie li by membre famille greffier, Zamilio et famille qui n'ont la peine. Association a mandé commissaire gouvernement Port-au-Prince-là, maître Claude Bedford, pour lancer une enquête pour capable déterminer si Constance l'homme greffier Ernst Lafortune. On a demandé ministre Justice et Sécurité publique, là, maître Rockefeller Vincent, prend disposition pour lumière faite dans le cadre du dossier. L'autre information, il n'est pas normal pour journalistes. Sinon, leader opinion gagne parti pris dans joint à traiter dossier yo dans la presse. C'est opinion journaliste Lemoine Bono qui t'a intervenu dans émission Mise au point jeudi 12 août 2021 sous TNH. Journaliste senior a porté précision sur Wall Media yo en dans yon société. On suit. Nan sanye comme crise jodi a la, comment loue apport la presse là? Bon, la presse, rôle dans tout pays, la presse, c'est une attribution d'informer, de former, de distraire et de rendre service. Ça, c'est l'attribution à la presse. Lorsqu'on est journaliste ou bien son directeur d'opinion, eh bien, rôle, c'est dit exactement la vérité sur son ouest, sur son constaté. Ensuite, former la population dans la limite qu'on a formée. Mais ce n'est pas fait, dit, fait voler. Jean-Pierre et dire ensemble de directeurs d'opinion ce que vous qualifiez de machin de micro fait que en pile fois parfois société a gain raison par rapport à gens qui agit, vous comprenez, lorsque il y a prend position pour ou contre parce que vous menez, mais ça me trouve que c'est très 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 mal et c'est très grave. La presse pas déjà arrivé dans un niveau salier qu'on y a là par rapport à ensemble de médias, par rapport à ensemble de directeurs d'opinion. J'ai orienté l'opinion par rapport à sens intérêt, surtout intérêt et qui basé sur de l'argent. Ça, c'est très grave pour nous, c'est très grave pour et fonctionnement
et profession en Haïti, nous ne sommes pas déjà au niveau de médiocrité ça. Côté qu'on a des directeurs d'opinion, eh bien, gens y a fait et fonctionner des médias, eh bien, quoi, pour moi, c'est très grave et c'est très mauvais et c'est très humiliant pour les journalistes de carrière qui fait 25 ans, 30 ans dans une profession aussi noble, et pour eux, pendant quelques années, des responsables de médias, des directeurs, soi-disant directeurs d'opinion, eh bien, orientés, ils ont fait que vraiment, en pile journalistes, en pile médias, pas gain vraiment crédibilité par rapport à ça au fait, par rapport au fonctionnement dans la société. Information yo Bolakay a fini avec Université Kiskeya en tête collée avec Organisation Promotion pour Développement qui réalisait mercredi 11 août l'an une conférence débat en présence de plusieurs dizaines d'étudiants. Activité ça entrée dans le cadre campagne éducation et sensibilisation Université Kiskeya lancée pour faire prévention contre maladie peste porcine africaine. Winel Jean-Louis avec Bernard Marseille. Abdi-nous plus. Il y a des plusieurs dizaines d'étudiants mélangés avec professeurs et puis responsables organisation dans la société civile là dans la conférence de Bassa. Discussion de Chita sous conséquence maladie peste porcine africaine qui a gagné sur l'économie et spécialement dans les milieux paysans et puis garder ensemble puis bon mesi qui a empêché maladie ça à rentrer dans le pays. Nous profitons de faire action ça, je veux dire, qui sont conférences de débat, comme on va garder de sensibilisation et pour tout acteur, éleveurs, paysans, mais autorités autour, société civile, là, dans l'esprit pour faire qui ça, pour faire concertation, mais aussi pour nous mobiliser. C'est pour ça que nous dit, on profite de faire une mobilisation et une concertation pour tout problème que le monde paysan gagne, pour nous aider à affronter, pour ne pas être pour compte, pour quoi c'est tout ce qui consomme la caou, c'est paysan qui baoule. Il crée richesse, il bon bonheur. Pendant qu'il crée richesse, il est pauvre. Ce n'est pas normal, c'est un paradoxe là. On ne peut pas quitter le monde ça, qui, première matrice producteur pays, il est dans une condition de précarité comme ça. C'est pour ça que nous-mêmes, contribution par nous, nous balis comme universitaires, nous faisons mobilisation ça, mais en même temps, nous profitons d'une concertation nationale, pas seulement sur les peste porcine africaine, peste porcine classique là, tout. Nous sommes 450 000 vaccins et on détruit l'autre jour là, parce que les doses périmées. Donc, il y a un cochon mouri en attendant. Ça, c'est une question de gouvernance liée. Donc, il faut mobiliser, concerter et anticiper sur les maladies qui viennent, pas seulement pour cochon, mais pour bœuf, pour d'autres bagages. Maladie ça n'a pas gagné traitement ni vaccin selon recteur université Kiskeya, Jackie Lumac, qui souhaitait population et spécialement éleveurs appliquer toutes les mesures qui ont empêché la propagation de peste porcine africaine. On drame comme ça qui est sous frontière, nous, eh bien, c'est mettre des babous à la trempe. Et donc c'est pour ça que nous dit que il y a des mesures importantes qui prend de prévention et par rapport à la peste porcine, parce que si l'hiver en Haïti, il a fait un pile de dégâts. Et on a parlé d'à peu près 300 000 éleveurs, donc de paysans qui vivent uniquement de cochons. Une fois que l'hiver, pas de traitement pour lui, pas de vaccin non plus pour lui. Donc c'est gestion pour faire, pour confiner et mettre dans une zone côté maladie aérienne pour ne pas faire propagation. Donc l'État doit travaille souvent pour empêcher la propagation, même j'en fais pour le coronavirus là, pour ne pas arriver encore dans un désastre économique que tu vas l'obliger de tuer tout le cochon pays. Ça, c'est ma qui demande d'éviter. Donc c'est pour ça que nous faisons mobilisation, concertation ça. Mais en même temps, tout nous dit, parce que nous avons des porcines africaines là, parce que déjà, ma bon exemple, il y a les peste porcine classiques qu'il a déjà, qui maladie des chaînes là, qui tue le cochon tout. Dans l'année 1978, maladie peste porcine là, c'est la cause paysan yo perdit tout le cochon yo. Une situation qui t'entraîne gros conséquences économiques dans le milieu paysan. Voilà, et merci avec tout le monde qui t'est branché pour t'es capable des nouvelles informations. En tout cas, tout le monde, merci parce que nous t'es branché. Pas oublier vous abonner avec chaîne là et toujours songez pour activer petite cloche là. Les nous lagon vidéo pour capable joindre nous, son pas besoin chercher pour lui. D'accord? Eh bien, passons agréable journée tout le monde. Une agréable soirée, si c'est matin, bon matinée.